Bonjour les choupies! Alors aujourd'hui, c'est pour vous présenter My Little Box. Ce mois-ci, ça se présente dans un carton comme ceci, que je vais ouvrir avec vous. Donc, ça se présente dans une pochette comme ceci, c'est super joli. Je vais l'ouvrir et dedans, surprise! Un petit sac à main, c'est super mignon, vous avez. Donc je l'ouvre. Voilà, vous avez donc la chaînette pour... voilà, je l'enlève, voyez, vous avez comme ceci. Et dedans, on va découvrir ensemble les produits que j'ai reçus. Alors, je pioche. Alors, c'est un produit My Little Box. C'est donc un masque cheveux hydratant. Alors, il est 97,6%. Bah, naturel. Oui, c'est ça. Donc, c'est un format 100 ml. Voilà. Ça sent bon. Je suis en train de regarder si je vois ce qu'il y a comme ingrédient, mais là je vois pas. Oh, c'est écrit blanc sur du clair, je vois pas. Mais en tout cas, voilà. Donc un masque pour les cheveux. Ensuite, je pioche ceci. Donc c'est de Docteur Oshka. C'est donc une crème. Bah, ils auraient pu mettre en français. Crème de jour légère à la rose. C'est un 10 ml. Petit comme ça. Alors, je suppose que c'est pas ouvert. Ouais, donc je n'en tirerai pas. Voilà. Donc, crème légère à la rose pour le visage. 10 ml, super. Ensuite, ceci. Voilà, donc c'est de la marque Roger Egalé, Paris, extrait de Cologne, verveine, utopie. C'est un vaporisateur naturel de 10 ml. Donc c'est donc... Ouf! Reste avec nous. Ça se présente comme ceci. Donc c'est de l'eau de Cologne à la verveine, du coup, je suppose. Alors, bah c'est frais. Alors, je me parfumerai pas avec ça, hein, mais c'est le genre de choses que vous pouvez mettre après une douche. Il fait très chaud, vous vous douchez, vous vous vaporisez un petit peu pour que ça rafraîchit, l'odeur est fraîche. Voilà. Bon, c'est pas pour mettre la journée, voilà. Mais je dirais qu'après une bonne douche le soir, se mettre ça avant d'aller se coucher, sentir le frais, ça rafraîchit. C'est pas mal. Ensuite, ceci. Alors, ça, c'est sérum hydratant aux graines de thé vert. Sérum visage 30 ml et la marque Innisfree. Innisfree. Alors là, je ne connais pas. Voilà, ça se présente comme ça. Ça n'a pas vraiment d'odeur particulière. Ok, bah super. Donc voilà pour les produits qu'il y avait dans la belle petite, beau petit sac à main. Voilà, je vous le remontre avec la bandoulière chaînette que je commence déjà à emmêler. Donc c'est pas le bon plan, ça. Franchement, n'importe quoi. Voilà. Et vous avez ça pour mettre sur l'épaule pour protéger. Voilà. Toujours la fameuse pochette qui vous permet de la réutiliser pour mettre tout ce que vous avez envie de mettre. Et
Ensuite, moi, je suis abonnée à My Little Box, mais je paye un petit peu plus cher parce que je suis abonnée à My Little Box et les extras. Donc ça, c'est les extras de ce mois-ci. On va découvrir. Hop! Ce qu'il y a dedans. La petite boîte, c'est plutôt sympa. Alors, dedans, il y a le masque teint de rose hydratant, baume de rose de By Terry. By Terry, la marque. Voilà. Donc, dedans, je sens, il y a un masque pour le visage. Ouais. Comme ça, en tissu. Voilà. À la rose. Moi, j'adore cette odeur de rose. Donc, je suis super contente. Et avec, il y a ceci de la marque By Terry. C'est un baume de rose, le soin des lèvres. Alors, on va regarder ça. Ça se présente comme ça. Avec. Oh, ça sent bon la rose! Mais qu'est-ce que j'aime cette odeur! Et donc, du coup, c'est un baume pour les lèvres qui est au parfum de la rose. Franchement, ça sent super bon. Donc, ça nourrit, lisse, régénère. Et je voulais voir s'il y avait une explication en plus pour vous donner. Attendez, je regarde le petit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Arose is a rose. Est-ce que si la rose portait un autre nom, elle aurait le même parfum? On espère, parce qu'on a récemment mis la main sur la gamme infusée de rose de By Terry. Toute une ligne qui s'est blindée de rose au pouvoir hydratant et adoucissant. Rien que pour nos abonnés extra, on a mis de côté le masque en gel, piqueté de pétales de rose et un baume à lèvres qui nourrit et hydrate. Le tout avec un parfum fleuri de rose de mai. Donc voilà, c'est super. Alors du coup, sinon, pour la box, ma little box, un air d'été, ma little box et petite mandigote ont donc fait un partenariat et ont créé pour cette box ce petit sac à main d'été qui vraiment est super sympa. Alors, pardon. Ils nous mettent ce qui vous attend le mois prochain, attachez vos cheveux et chopez votre planche. La vague n'attend pas et la box 2 en 1 de juillet-août non plus. On en a fait tout un rouleau parce qu'on l'a imaginé avec Albertine, la marque de maillot rétro cool, Made in La Solaire Biarritz dedans. Il y a de quoi tenir 2 mois, 5 produits. Non, 6 produits de beauté et tout le matériel pour régner sur la plage en observant la houle. Pour surfer sur l'été, on se donne rendez-vous le mois prochain. My Little Box en partenariat avec Albertine. Super, donc de ce que j'ai compris, donc My Little Box, comme d'autres box d'ailleurs, hein. Donc début juillet, on va recevoir une box plus importante pour juillet-août. En fait, on va payer les 2 box juillet-août en même temps et on aura quelque chose de global. Et en août, on ne paiera pas et on ne recevra pas de box. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Contente de vous avoir retrouvé. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye les choupis. N'oubliez pas, likez mes vidéos, partagez, abonnez-vous. Bye bye!